Salut à tous et à toutes. On se retrouve après avoir été pourchassé par une bande de loups affamés, si je puis. Ouais, comment qu'on puisse dire. Je fais souvent des en ce moment, je sais pas pourquoi. Marée de la mort, ouais. Alone again, with only his thoughts as company, he continues on his journey to find the one he seeks. Who or what was that strange creature? There is a power here that few know, a power that could have some influence on events. Perhaps the guardian of the lake is aware of him now and offers aid in his quest. There is just the small matter of the dead bog to overcome, a place that has claimed the lives of many of the Brotherhood. The smell of death is strong here, and danger lies around every corner, but nothing will stop him, nothing will stand in his way. Vu l'aspect de l'endroit, perso, j'ai plus l'impression que c'est l'odeur des du soufre et des restes de ce que bouffent les monstres par ici. Enfin, bon, c'est que mon avis. Oups. Souvent, vous allez tomber sur des petits cadavres qui... des petits cadavres, dit comme ça. sur le corps de membres de la confrérie qui vont donner comme ça des astuces si c'est pas des bonus de vie, enfin des gemmes, vous avez, parce qu'il y aura pas que des gemmes de vie après, très franchement, ouais, bon, si vous voulez pas ça, vous passerez, hein. Parchemin de chevalier à la confrérie. Il y a quelque chose dans l'eau, quelque chose de terrible. J'ai vu des hommes à se faire entraîner sous l'eau et ne jamais réapparaître. On repère ces créatures aux ondulations et aux bulles qui font surface. Il vaut mieux attendre la disparition de ces remous. Bon, vous avez saisi l'idée. Je vais pas tout lire non plus. Bon, je vais en profiter. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, ils pourront faire pause. Voilà, les decks d'argent. Il y a tout un tas de petits descriptifs comme ça qui sont pas spécialement importants mais qui sont toujours sympas à savoir. Ouais, c'est vrai. Voilà, oups. Maintenant, les compétences. Comment je fais déjà? Page principale. oups. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Oups. Chercherai hors caméra. Ah bon, elle met trois plombes à exploser, hein, on s'entend. Bon. Il y a quand même une petite dose d'humour, c'est toujours sympa. Légère, mais au moins elle est là. Success! Waouh! J'ai réussi à avancer. Comment ça se fait qu'ils sont capables de créer des grenades d'ailleurs? C'est quoi ce bordel? C'est des petits gnomes à la con qui vivent dans une mar dans des marais et ils arrivent à... Hop là. Voilà. Oui, vous pouvez choper des ennemis comme ça. Enfin, ça dépend. Il y a certains ennemis que vous pouvez et d'autres non. Enfin, même quand ils sont pas assommés, je veux dire.
Enfin, quand il... Vous pouvez seulement y choper quand il diluise, c'est à ce moment-là, c'est pour dire qu'il y a un QTE. Mais bon. Voilà, et ça c'est pour ceux qui n'ont pas lu, ça présente un petit peu le danger qu'il y a dans le marais. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu de temps en temps au fil du jeu. Donc voilà. C'est pas que pour le stage. En même temps, ça aurait été un peu dommage de... Ah. De créer un truc pour au final seulement le mettre dans une petite portion du jeu. Alors j'avoue que ça me gêne un petit peu. Comment on fait? Bon, tant pis. Sûr que entre un clavier et une manette, le choix est vite fait pour un. Alors ce que je préconise de faire, bon là je pense que je vais surtout me foirer. Ouais. Il y a toujours moyen de se rattraper, hein, vous inquiétez pas. C'est en fait de sauter et de directement foncer comme un forcené. Des fois ça passe, mais bon là c'est pas passé parce que je pars à côté, je fais un peu n'importe quoi. Alors de ce côté-là, là-bas, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'important, mais je vous montrerai après. Là, je vais passer directement ici parce que bah, j'ai envie. Parce qu'il y a des petits ennemis. Je crois. Ah non. Pas tout de suite. Aussi, à savoir, au fil du jeu, quand vous allez débloquer les compétences, vous ferez de plus en plus mal. Mais bon, ça c'est au fil du jeu quoi. Et vu que j'ai pas encore les touches, je veux pas non plus trop gêner avec ça. Bon d'abord, elle récupère ça. Je récupère un objet, vous pouvez pas m'attaquer. Ah! Ouais bon, faut quand même rester prudent. Ouais, aussi petit détail, vous l'aurez remarqué. Hop là. C'est que quand... Aïe. J'avoue que c'est... Ils sont un petit peu chiants là. Quand les bombes ou autres explosifs font du genre, je pense. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y a pas les bombes, il n'y a pas grand-chose. Quand ça touche des eaux ou tout ce qui est liquide, bah ça explose. Quand c'est par terre, par contre, quand c'est sur un sol, bah ça explose pas. Petit rototo. Désolé. Là-bas, je crois que c'est... Ouais, la partie vert clair, en fait, c'est... Comment dire? Si vous voulez, c'est un peu l'endroit toxique où, en fait, l'air, il est respirable et vous pouvez pas vraiment y repasser sans perdre de la vie, en fait. Voilà. Sauter. Je peux pas vraiment la contourner en fait. Notez le magnifique dragon qu'il y a là. C'est assez... Ouais. Voilà. Il y a tout plein de petits détails comme ça au niveau du décor, c'est très appréciable. D'ailleurs, petit détail, si vous voyez quand il saute comme ça, c'est un peu la même... Comment dire? C'est une animation similaire aux animations de saut que font les Belmont dans les vieux jeux Castlevania. Ouais, donc voilà. Si vous reconnaissez un petit peu... Oh là, il y a du clipping. Regardez un petit peu sur... Ouais.
Si vous regardez un petit peu en haut à droite, il y a du clipping d'herbe. Bon, c'est un petit d'herbe. Clipping d'herbe, ça se dit, ça? Je viens de détruire la bombe. Enfin, j'ai l'impression. Crois. Disons qu'il y avait le petit crapaud qui... Ouais. Voilà. Qui m'avait distrait. Enfin bon, il y a plein de petits chemins que vous pouvez vraiment prendre. Qui des fois vous pouvez dire et vous n'êtes pas restreint dans vos dans ce que où vous voulez aller en fait. Bon, c'est pas spécialement besoin alors. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment des dragons ou c'est juste des carcasses de d'autres créatures? Putain, les fontaines de vie, ça manque pas hein, ici. Et non, vous rêvez pas, c'est bien des chuchotements. Bon, là-bas, c'est en fait l'endroit où j'étais déjà passé. Il y a des petits espaces entre les ondulations, donc ça va. Mince. Je voulais sauter et... Ok. Donc voilà, là c'est... Je fais vraiment tout le tour pour que vous voyez un petit peu l'endroit à quoi il ressemble. Oups, là. Sinon, si ça vous intéresse pas, vous pourrez couper. Hein. À la découverte des marées... dégueulasse, oui. Ouais. Non, je suis pas un kamikaze du tout. Je fonce dans le tas, c'est... Bon, ça va, il y a toujours... il y a moyen de dire d'avancer, donc... Hop là. En fait, les chemins varient... Hop là. Ah, ouf. Ah ouais. Normalement, bon, j'essaierai de vous montrer, mais je pourrais pas. Quand vous, si vous, le chemin où je m'étais arrêté, en fait, c'est le chemin qui vous mènera de l'autre côté, que je vais vite montrer. Qui est en fait là, ici, vous verrez. Voilà. Donc là. Oui, Allez. Le mec il est à quoi 3-4 mètres facile et il arrive quand même à balancer la bombe d'une précision ah ouais. Inébranlable. Bon, j'ai pas peur mon temps hein. Bon, partie parce que je suis à moitié de vie mais aussi parce que j'ai pas envie. Un petit cadavre à côté. Hein. Pour un petit pare-chaud, soit. Petit marais. Ouais. Si je pouvais retrouver la touche, ça serait pas mal. Bon, je ferai hors caméra. Et si je retouche aussi, c'est mieux. Ah. Quel boulet je suis.
Bon, vous avez un petit laps de temps entre... Je suis en train de briser le jeu, quoi. C'est dingue. Là, j'arrête pas de jongler entre la zone sûre et la zone un peu poisonneuse pour dire de passer outre les Nariades, je crois que c'est. Désolé si vous entendez un petit peu de bruit. Bon là sinon les gobelins en eux-mêmes ils sont pas spécialement terribles. Ils sont surtout. En fait ils sont plus utiles qu'autre chose. Bon ils vous gênent un peu ouais. Mais ils peuvent aussi vous aider avec les grenades. Allez hop. Pu. Il m'a touché ou... Bon, bref. Parce que j'ai entendu le bruit, mais... Bon. J'ai cru qu'il était encore en vie, en fait. Enfin, qu'il était encore quelque part en bas, mais qu'il était hors caméra. Enfin, bon. Bon. Et vu que la musique est restée aussi un petit peu ça. Ouais bon comme toujours hein, les portes ils servent à rien. Ouais, c'est vraiment pour dire si on n'avait pas capté qu'il y avait quelque chose qui vous poursuivait. Forgive me, brother. But my need is far greater than yours. Faire un peu faire un peu vantard mais bon soit et puis bon ça a été créé pour être utilisé alors ça sera un peu dommage de pas l'utiliser date logique des fois je sors des phrases comme ça faut pas chercher. Donc, maintenant, on obtient le crochet, je crois que c'est. Ouais, en bout de crochet. Et en fait, ça permet juste... Ouais. Tout à l'heure, c'était juste un petit crochet, quoi. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a des bouts de métaux en plus. Enfin, le pic est un peu plus grand. Ce qui fait que, on peut aussi bien... C'est comme un sort de grappin, si vous voulez. Ça sert aussi bien pour dire d'escalader que ça va servir aussi pour choper des ennemis en fait. Mais bon ça c'est quand je débloquerai les compétences, quand j'aurai trouvé comment faire. Alors, il y a ça et appuie sur... Attendez. Il n'y a pas réelle différence entre l'un ou l'autre. Ah oui! Bon. Ouais. Ah mince. Souris qui fait chier. Et c'est bon. Pas une seule fois je serai peinard. Non. Faudra toujours qu'il y ait une connerie. Hop là. Alors je crois que c'est parable mais comme j'ai dit dans ma première vidéo je suis... Enfin comme j'ai essayé de dire. Hop là. Ça c'était pas... Okay. Je suis en difficile mais pourtant j'ai l'impression que qu'ils font pas excessivement mal. Hein. Une seconde. Ouais je suis en chevalier.
Bon, certes, ils sont réactifs, hein, mais sans plus, quoi. Waouh. C'est quoi ça? Parce que je voyais un pare-chaud et... Et je dis pare-chaud, hein, je dis pas parchemin. Aïe. Soit, je l'ai carrément. Hop là. Hop là. Yo. Voilà. Bon appétit. Bon, je crois qu'il lui a arraché la langue ou une connerie un jour, j'ai pas fait gaffe. Voilà, c'est un petit upgrade de stockage. Donc ça permet à la fois de récupérer les decks qui ont été utilisés et en même temps d'augmenter la possession. Alors, je cache pas que... À un moment j'avais peur que je m'étais gouré de touches pendant le QTV. Enfin. Le calme peut être après la tempête. Après la tempête, oui, je sais bien parler la place. Voilà une petite fontaine de vie. Enfin, j'appelle ça une fontaine de vie, mais je fais jamais gaffe à comment ça s'appelle. On voit que j'ai réduit les graphismes avec les plateformes. C'est un peu... je sais pas... Enfin, un peu pâte à modeler. Et il suffit de voir aussi le fond. Enfin, l'arrière-plan plutôt. Yep. Bah, je pense qu'en fait, j'enlèverai le truc des didacticiels parce que sinon, ça va juste être gênant plus qu'autre chose. Ah bon, ça c'est pour montrer que... Il y a toujours moyen de se casser la gueule. Voilà. Alors en principe, si vous avez un doute et que vous dites qu'il y a un peu que... ce que j'ai à dire. Si vous avez un doute au niveau des plateformes, enfin des, comme ça quand vous déplacez, vous faites et que vous dites que vous pouvez peut-être aller vers le bas, vous contentez juste de faire bas comme ça. Et en fait, normalement, il va faire l'animation tout seul. C'est pour éviter les morts connes, surtout. Ouais. Parce qu'il disait sauter dans le vide. Sur le coup, j'ai eu un doute, en fait. Hop. Et là... Oui. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Je fail. Non. Et je sais pas, il y a une force... Enfin, il s'est cogné sur un truc, ou invisible. Voilà. Merci. Ça va quoi, je peux même plus dire faire le cours sur un petit jeu. Nickel. Oh, je crois que ouais, je vais couper vidéo. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.